Bonjour. Alors, qui se cache derrière Perline, ce nounours que vous voyez dans chaque histoire de Trésor du ciel? C'est moi. Je suis Perline Tracy. C'est mon nom d'artiste. Je suis une maman. J'ai 3 grands-enfants, des adultes, et je suis nouvellement mamie. Donc, pour tous ceux qui connaissent Trésor du ciel, j'aime énormément les enfants et j'ai vraiment à cœur de leur enseigner la parole de Dieu, la Bible, le plus simplement possible, le plus clairement possible. Alors, pourquoi je me décide enfin à montrer mon visage? Eh bien, j'ai quelque chose à vous proposer. Mais avant, je voudrais vous dire un grand merci du fond du cœur pour tous ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, qui les partagent à des enfants, qui les utilisent pour la gloire de Dieu. Je suis très encouragée. Il y a maintenant 3600 abonnés et pour moi c'est merveilleux de savoir qu'il y a autant de personnes assez intéressées pour s'abonner et de savoir aussi que vous êtes encore plus nombreux, les non-abonnés, qui regardaient ma chaîne et qui utilisaient ces vidéos. Donc, ça répond à un besoin, effectivement, d'enseigner la Bible aux enfants. Dans la simplicité de la Bible, en fait, je ne veux rien rajouter pour que les enfants puissent mieux comprendre. Pour moi, la Bible est assez claire, mais bien sûr, il faut utiliser des mots accessibles aux enfants qui les touchent directement. Donc, qu'est-ce que je veux vous proposer aujourd'hui? Eh bien, il y a un problème. Pour toutes les chaînes YouTube qui sont destinées aux enfants, eh bien, il n'y a aucune possibilité de communiquer, de mettre des commentaires, d'atteindre les abonnés, de pouvoir avoir un lien. C'est une loi américaine pour la protection des enfants. Donc, je suis vraiment frustrée de ça. J'aimerais communiquer avec vous. J'ai besoin de communiquer avec vous. Donc, j'ai créé un blog. Pour ceux qui le savent, cette chaîne YouTube est liée à un site web, trésorduciel.net, où vous trouverez bien plus que les vidéos que vous voyez sur YouTube. Parce que vous pouvez télécharger bien sûr toutes mes vidéos, mais aussi tous les dessins et même les textes pour enseigner vous-même les enfants. Pour ceux qui désirent faire un club ou même le dimanche, hein, il y a des églises qui utilisent mon matériel. Tout est gratuit. Et sur ce site, comme vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle « La Bible aux enfants ». Et si vous cliquez là-dessus, vous aurez donc accès à tout le matériel, mais aussi à un blog. C'est tout nouveau, ce blog. Ça fait des années que j'ai à cœur de le faire, mais par manque de temps, eh bien, c'est aujourd'hui que je le fais. Donc, je travaille et je ne peux pas malheureusement consacrer autant de temps que j'aimerais à développer Trésor du ciel. Et vous allez m'y aider. Donc, dans ce blog, j'aimerais vraiment pouvoir communiquer avec vous, avoir votre avis sur les histoires, savoir ce que vous en pensez, bien sûr, mais aussi si vous voudriez autre chose, si vos enfants demandent autre chose, des histoires particulières, si vous avez des difficultés dans l'enseignement ou
des questions, vous ne savez pas comment répondre à certaines questions et certains besoins de vos enfants ou des enfants que vous connaissez. Enfin, tout ce qui a trait à l'enseignement de la Bible aux enfants, eh bien, j'aimerais que nous puissions communiquer. J'aimerais aussi vous partager mes projets pour Trésor du Ciel. J'ai beaucoup d'idées et savoir ce que vous en pensez, si ce serait utile ou non. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir communiquer régulièrement avec vous. Donc, je vous demande, c'est un appel, je vous demande de vous y inscrire, tout simplement, gratuitement, hein, c'est juste un nom, un pseudo, et je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai. Donc, il y aura des petites vidéos, il y aura, pour les adultes, donc cette fois, il y aura des podcasts, il y aura des articles, bien sûr, ça va se construire dans le temps. Et voilà, j'espère que vous allez tous venir vous y inscrire gratuitement. Bien sûr, tout est libre, hein, sous le regard du Seigneur, et puis que nous serons bénis par cette nouvelle initiative, ce nouveau tournant dans Trésor du Ciel, et que on pourra s'aider mutuellement. Alors que Dieu vous bénisse, et donc à très bientôt sur le blog. Au revoir!